Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre petit épisode sur Frostpunk où on s'occupait de survivre tranquillement à notre grosse vague de froid là, moins 60 degrés. Donc on a des gens qui sont en dehors des maisons, mais c'est parce qu'on vient d'en avoir des nouveaux et que bah, j'ai démonté quelques maisons pour réorganiser un peu le centre-ville. Au niveau du charbon, c'est pas ouf, clairement c'est pas ouf. Surtout qu'il va falloir peut-être qu'on active le surmultiplicateur, enfin encore que tant qu'il gueule pas, j'ai envie de dire, nos trucs médicaux sont quand même assez efficaces, donc on n'est pas non plus en stress là-dessus. Il nous fallait un nouvel abri pour enfants, qui rentre, bah c'est pas idéal, mais qui rentre comme ça, donc on va le mettre comme ça. Au niveau de la nourriture, on est pas mal. Alors, on a plein de gens qui font rien. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. On va les envoyer travailler un peu. Parce qu'on venait d'avoir des éclaireurs qui étaient revenus avec avec des personnes. Hein. Ici, il lui reste encore du bois à ramasser. Ouais, 206, c'est pas ouf. Mais ça va le faire. La cantine, elle arrive à tout convertir avec 3 personnes. Ici on peut peut-être mettre des gens en plus, ça serait peut-être plus efficace. Est-ce qu'on peut pas récupérer quelques ingénieurs à droite à gauche? Non. Si, ici il y a des ingénieurs qui bossent encore. C'était que des ouvriers qu'on a récupérés dans notre... et des enfants. Dans notre dernier truc. Eux il fait froid, mais plus 3 quand même l'isolation du bâtiment, c'est pas mal. Ici, avec nos deux couteaux de garde, il va falloir qu'on construise un foyer pour faire des maisons autour et en profiter un maximum. Là, on peut faire plein de maisons. Il va pas falloir qu'on se prive. Ici, on en construit 2. Ce qui veut dire qu'il va nous en manquer encore 2. Hein. C'est un peu relou. Ici, on est trop loin de la tour de garde. On est proche du foyer, mais on est trop loin de la tour de garde. Ici. Ici, on est trop loin du foyer. Ouais, on est dans la portée de cette tour de garde, mais on est trop loin du foyer. C'est ici qu'on avait détruit une maison d'ailleurs. Ici, on est dans les portées de la tour de garde et de l'arène de combat, mais pas du foyer. Donc il va falloir qu'on fasse un foyer dans le coin. Sachant la quantité assez astronomique de charbon que ça bouffe, on va peut-être devoir se calmer un peu. Malheureusement, ouais, mais en même temps, avoir des sans-abri, on peut pas trop se permettre, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc là, on augmente bien l'espoir grâce au fait que les enfants sont tous dans leur truc de propagande. Et on a maintenant, on est à moins 2 de tendance pour les londoniens, ce qui est très cool. Et on a terminé le terminal. Alors, le terminal, comment ça se passe? Ici, on pourrait ramasser du bois. Alors, il faut envoyer une équipe d'avant-poste pour en construire un. Ok, donc il nous faut des éclaireurs, non? Équipe d'avant-poste, c'est pas les mêmes que les éclaireurs. Construisez un... Ah ok, il faut construire un terminal pour pouvoir déployer l'équipe d'avant-poste, d'accord. Terminal qui coûte, j'imagine, une blinde. Ouais, c'est ça, ça coûte une blinde. Bah, on va prévoir d'en faire un quand même. Hein. En plus, ça a pas de niveau de température, donc on pourra le faire assez loin, genre par là, quoi. Sans trop s'emmerder, enfin non, là on va faire des maisons autour. Ouais, donc c'est pas tout de suite qu'on pourra se permettre de le faire malheureusement. Une recherche, il nous faut une recherche. Même si c'est fermé. L'usine nous permet de faire des automates. C'est quand même plutôt pas inintéressant. Au niveau du chauffage, les radiateurs améliorés... Ça pourrait être utile, mais bon, maintenant on sait soigner nos gens même quand ils sont gravement blessés, donc... Des foyers plus grands par contre, ça c'est cool. Ils consomment bien sûr beaucoup plus de charbon. Là on peut savoir combien ils consomment. 3 de charbon, ok, 3 de charbon par heure, donc là ils consommeraient 6 charbon. Ouais, ça commence à faire mal. Au niveau des ressources... Des meilleures scieries, on n'a pas trop besoin, des fours à charbon de bois... Ouais, ça voudrait dire améliorer les scieries et ensuite transformer le bois en charbon. Des mines, ça serait peut-être plus intéressant, limite. Ou alors des meilleurs extracteurs. Ouais, des meilleurs extracteurs, c'est pas mal. On va partir là-dessus.
des meilleurs extracteurs à charbon. Entre le terminal et des extracteurs améliorés, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Ici d'ailleurs, on a peut-être assez pour construire la scierie. Non, il nous faut du bois pour la scierie. Il nous faut du bois pour la scierie. Oula, on a 7 malades graves. Ouais, ah oui, parce que là, du coup, personne ne peut les soigner. Donc on va les envoyer là. En speed. Et ici, si je mets la température... Ouais, non, même ici, il fait beaucoup trop froid, malheureusement. Ouais, on a dû désactiver des postes médicaux parce qu'il fait trop froid. On a dû en détruire un, du coup, on n'en a plus assez. Alors, est-ce qu'on peut pas en caser un dans... C'est où, santé? Ah, il faut plus de bois et ils vont plus bosser, les mecs. Bon bah tant pis, ça devrait attendre demain, je suis bien désolé. Non, ça y est, on a réussi à tous les mettre là-bas, c'est cool. Bah, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blinder ce poste médical qui tourne là pour le rendre le plus efficace possible. Et ici, j'ai désactivé le radiateur, hein, c'est bon. Il y a des gens qui sont affamés, bah ouais, enfin faut bouffer à un moment, hein. Je me fous pas non plus de votre gueule en termes de nourriture, ça va quoi? Faut pas déconner. On n'a pas assez de bois pour construire un dortoir de toute façon, donc c'est pas la peine de se stresser avec ça. Eux ils sont en train de revenir si je ne m'abuse. Et voilà, ils sont en train de revenir avec plein de ressources. Ça c'est cool, ils arriveront peut-être pas d'ici tout à fait la fin de la nuit, mais presque. Donc ouais, il est probable qu'on ait des malades assez graves, hein, parce qu'il fait vraiment très froid. Mais là je vais tester, mais si j'active ça... Ah non, c'est vrai que ça consomme pas plus de charbon ce truc là. Ça fait monter la pression, mais ça consomme pas plus de charbon. On va l'activer pour la nuit. Ça permettra de, au moins de faire en sorte que les endroits qui soient portés soient bien quoi. On va en profiter pour désactiver quelques radiateurs. D'ailleurs oui, j'ai pas désactivé les radiateurs ici et ici. Faut qu'on le fasse. Hop là, et désolé, je refais une petite ellipse parce que bah le jour 22 a planté à 19h, le jeu a crashé, donc du coup bah la sauvegarde automatique étant à minuit, on reprend à minuit, ce qui fait que je reprends un petit peu en retard, hein. On avait fait des trucs qu'il va falloir que je refasse, mais c'est pas trop grave. Donc du coup, notre objectif était de faire en sorte que les gens ne crèvent pas de froid, tout simplement. Il va falloir qu'on s'occupe des malades, parce que du coup on n'a plus assez d'infirmerie, mais on a heureusement pas mal de gens disponibles, donc il faut qu'on récupère des ingénieurs à droite à gauche. On va faire ça tout de suite pour que dès le lendemain, voilà, ici on peut en récupérer 3 déjà. On va essayer de construire une infirmerie pour... hop, 0, voilà. Voilà, on a 10 ingénieurs, on va pouvoir construire au moins une infirmerie pour soigner nos malades qui souffrent. Contrôle des rues. Capitaine, un groupe d'hommes alcoolisés a perturbé l'ordre. Ils se poussaient les uns des autres, hurlaient des insultes et s'en sont pris à des femmes dans la rue. Nos gardes sont intervenus et ont arrêté ces hommes. On peut les punir et ça diminue le mécontentement, mais le mécontentement c'est pas un problème, c'est l'espoir qu'il nous faut, donc on va augmenter l'espoir. Pour l'instant la tendance est au fait que des groupes entiers de londoniens vont abandonner la cause des mecs, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre j'ai complètement oublié de couper les chauffages dans les endroits où ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire ici ce n'est pas nécessaire, ici ce n'est pas nécessaire, ici ce n'est pas nécessaire non plus. Ici même ce qu'on va faire là c'est qu'on va dégager ce truc et on va en construire un autre. On n'a pas assez, mais dès qu'on pourra on en construira un autre ici pour qu'il ramasse ces deux charbons là de manière plus efficace. Donc notre générateur est en surmultiplication, hein, ce qui augmente normalement aussi un peu la portée de ces trucs là du coup. Enfin la température de ces trucs là. Alors, vol de nourriture, quelqu'un a volé 20 rations de réserve. Tout le monde dit que les londoniens rassemblent de la nourriture pour leur voyage. Putain, ils font chier les mecs, on n'a pas de bouffe quoi. Cette idée ridicule de quitter la ville pour rejoindre Londres semble prendre de l'ampleur. On peut les laisser tomber ou on peut envoyer les gardes les attraper. On va envoyer les gardes les attraper, faut arrêter de déconner un moment.
Ouais, on a plus de 80 rations à cause de leur connerie. Les gardes ont réussi, ah, cool, on est remonté à 111. Ils ont récupéré 30 rations alors qu'ils n'avaient eu 20 de volée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, bougez-vous. Ouais, on a 10 malades, 12 malades. Bon, on n'a pas de malades gravement, mais à mon avis, ça va venir si ça continue comme ça. Va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus. Oui, les Londoniens ont perdu des partisans, très bonne nouvelle. Il n'y a plus que 28 Londoniens. Il nous reste 8 jours pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus aucun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les premiers Londoniens convaincus. Capitaine, de nombreuses personnes souhaitant initialement rejoindre Londres ont finalement décidé de rester ici. Elles disent avoir été convaincues par votre récente décision et qu'il y a de l'espoir pour nous. Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Croyez-y les gens, croyez-y, pas de soucis. Est-ce que je pourrais pas faire déjà un poste médical? Non, il faut du bois. Il faut du bois, il faut du bois. On a plein de monde, mais c'est parce qu'on a détruit ce poste de collecte là. Hein. Va falloir qu'on les remette à travailler incessamment sous peu. Donc là, ils sont levés, ils vont peut-être aller s'occuper de ce truc là. Ça devra nous donner assez de bois pour en construire un autre. Donc la priorité du jour, c'est de construire de quoi mettre nos 14 sans-abri si possible au chaud. Et de quoi traiter les malades. Donc là on a récupéré suffisamment de bois pour faire un poste de collecte. Puisque bah oui, hein, la priorité c'est aussi de ramasser du charbon vite. Donc on va le mettre ici à portée de du foyer de chaleur tout simplement. Ici le foyer de chaleur tourne, donc on va couper 2 secondes le chauffage. Le multiplicateur on va le descendre. Tant pis, on va avoir des gens qui vont tomber un peu malades, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va faire avec. On va faire une infirmerie, alors il me faudrait une infirmerie dans une zone chauffée. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va être possible. Ici c'est trop loin. Ici c'est trop loin également. Ici on pourrait faire une infirmerie là, ce serait pas mal. Alors jusqu'où je peux la mettre pour qu'elle soit dans la zone? Jusque là, on va la faire là. On va complètement la faire là cette infirmerie. Faire une petite rue. Donc ça c'est hors de portée de la tour, hein. Donc du coup on peut pas faire de maison ici, donc autant construire des trucs dans la zone de chaleur. Poste médical on peut pas encore, mais ça va venir. Donc pour l'instant le charbon se casse la gueule étant donné qu'on n'a pas de poste de collecte supplémentaire, mais dès que celui-là sera fait ça devrait être un peu mieux. D'ailleurs il faut que, même si ça se casse la gueule, faut qu'on réactive un peu les radiateurs là où on peut. Hein. Ici d'ailleurs on peut peut-être se permettre de le couper, ici aussi. Ah non, ici il fait frais du coup, donc non. Ça c'est quoi? L'abri pour enfants. On va le descendre, l'abri pour enfants, je suis bien désolé pour eux. La cantine c'est juste frais donc on va le laisser. Ce poste médical là, on va le dégager. On le reconstruira plutôt ici dans la zone de chaleur je pense. Au niveau des dortoirs. Ouais, ça c'est trop loin des tours de guet malheureusement. Tant pis, on va quand même en faire deux ici. Pour que nos gens... et de quoi dormir au chaud, parce que de toute façon ça fait pas monter l'espoir s'il sort de la tour, mais ça fait pas non plus monter l'espoir s'il dorme dehors, hein, si vous voulez. Donc autant qu'il dorme dehors et qu'il soit au chaud, ce sera toujours ça de prix. Alors ici on a nos éclaireurs qui sont rentrés et du coup on a plein de ressources, donc on va se faire plaisir. Alors la première chose à faire c'est améliorer cette aciérie pour qu'ils aient moins froid. Ça c'est fait. La deuxième chose à faire c'est un terminal. Donc le terminal faut le construire ici visiblement. Là où il y a l'espèce de petit truc qui servait plus ou moins à descendre. En plus on a une route dans l'axe donc c'est plutôt pas mal. On peut déployer des unités mais faut d'abord que ça soit construit bien évidemment. Il est midi donc c'est plutôt cool, on devrait pouvoir faire des trucs d'ici la fin de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un foyer de vapeur, oui, mais ça va bouffer du charbon et on peut pas trop se permettre. Ici il fait très froid, on va l'augmenter.
Parce qu'il faut qu'on termine nos recherches, hein. Il n'y a pas trop de débat. Ça, c'est la mission de soins, on s'en tamponne un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Un dépôt de ressources. Ouais, c'est pas trop le thème non plus. Des meilleurs extracteurs, ça pourrait être pas mal. Le centre de propagande, on peut en faire qu'un. Les dortoirs, on a dit que c'était bon. Un abri pour enfants, on a ce qu'il faut. En termes de santé, il nous faudrait un petit poste médical supplémentaire. Est-ce qu'on peut pas en mettre un au chaud ici? Dans ce trou-là, là. Non. Enfin, on va le mettre là, tant pis. Il sera quand même au chaud, donc ça fera le job. Même s'il n'est pas dans le trou. Voilà. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici, on a ce qu'il faut. Ah oui, nos éclaireurs, faut que je les renvoie, du coup. Donc, où est-ce qu'ils peuvent aller? Colonie ou Dreadnought? On va les envoyer au Dreadnought, je pense. Hop, voilà. C'est parti. Donc voilà, notre infirmerie étant construite, on n'a plus que 5 malades. Donc une fois qu'on aura fait ce centre médical, ça devrait être bon. On n'a plus de tente à améliorer, je vais vérifier vite fait, mais je crois que non, hein. Ah si, ici on a une. Voilà, on va l'améliorer tout de suite. Et donc l'objectif après sera de faire probablement des habitations dans les zones de cette tour de garde. Le centre de propagande n'était peut-être pas idéalement placé parce que la tour de garde ne sert à rien. C'est un peu dommage. Mais bon, tant pis. On y pensera pour la prochaine partie. Bon, pour l'instant, ça se passe pas si mal. Le foyer de chaleur, je le fais pas tout de suite parce que pour l'instant on est déjà un peu dans la merde au niveau charbon, donc c'est pas une priorité quoi. Ouais d'ailleurs ça vaudrait presque le coup, on n'a pas beaucoup de monde, mais ça vaudrait presque le coup de refaire un poste de collecte, hein, parce que nos... Là les trois postes de collecte, ils suffisent pas, clairement ils suffisent pas. J'ai pas refait de recherche. Alors ça c'est une grosse erreur de ma part. Faut qu'on profite de ça là. Il nous faut 50 de. Il nous faut 50 de bois, d'acier, on va prendre 50 d'acier vite fait. L'extracteur à vapeur, allez, donnez-moi de l'acier les gars. Vite. Vite, plus vite. Ici, il faut qu'on envoie des gens bosser. Ici, ils vont terminer leur machin et on sera bien. Voilà. Allez, 49. 49, 49, 49, 50, voilà. Donc la recherche, on va partir sur les calculatrices mécaniques pour pouvoir faire des trucs un petit peu plus haut de gamme. Ici ils construisent. Ouais donc le charbon 17h, ça va être tendu, on va à peine tenir la nuit là à ce rythme-là. Il faut qu'on fasse un autre poste de collecte, hein, je vois pas trop comment on peut faire autrement, mais ça coûte de l'acier cette saloperie. Ouais, ça coûte 5 d'acier, donc on pourrait éventuellement réussir à le faire. Ouais, sachant que ça fera pas de miracle, hein. Non, ce qu'il faut, c'est que ça, c'est terminé ou pas? Non, c'est pas terminé encore. Faut que ça se termine, ça. Et qu'on fasse un poste pour envoyer des gens. Pour envoyer des gens chercher du charbon loin, là. Au niveau bouffe, on est bien. Ici, on est bien. Donc là, c'est pas efficace en même temps. Les gens sont malades, quoi. Donc ça fait chier. Est-ce que ça vaut le coup de faire un autre poste de collecte? Ils vont se cailler à mort. Là c'est trop loin, c'est trop loin. Là c'est dedans, mais on bloquera ce truc là si on veut s'en servir. Ça c'est dans la portée du chauffage. On va en faire un là. On trouvera des gens, je sais pas où, mais on en trouvera, pour qu'ils bossent dedans. Parce que là le problème étant que c'est pas les extracteurs qui sont pas assez efficaces, hein, c'est juste que ils ramassent pas assez vite. Donc du coup autant en profiter. Alors ça y est, avant-poste. Une fois construit, le terminal vous permet d'affecter des bâtiments, des habitants pardon, à une équipe d'avant-poste. Alors, il nous faut 10 ouvriers, 42 bois, 20 d'acier. Le terminal d'avant-poste vous permet de former des équipes. Cliquez sur le bâtiment pour ouvrir le panneau du terminal et créer des unités. Envoyez une équipe d'avant-poste pour établir un avant-poste sur une zone riche en ressources dans l'étendue. L'avant-poste enverra ses ressources en ville une fois par jour, jusqu'à ce que vous ordonniez à l'équipe de revenir en ville. Ok, donc là il faut qu'on en fasse une, donc il nous faut 10 personnes et 20 d'acier, ça va être tendu avant la fin de la journée les 20 d'acier. On va libérer des gens dans les scieries puisqu'on a de nouveau plein de bois.
Voilà. On va espérer qu'on attend 20 d'acier, mais en 15 minutes ça me semble tendu quand même. Ouais, putain, non, c'est pas possible. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, on va couper tous les radiateurs qui ne servent à rien. Ici, on va rallumer par contre, parce qu'il fait beaucoup trop froid. Ici, c'est bon. Ici, ça ne sert à rien. Ici, dans la cantine, ouais, c'est utile. Il va probablement falloir qu'on remette un coup de pression ici. Maintenant qu'ils sont... maintenant qu'ils sont dans la zone. Donc ça, ça consomme pas plus de charbon, ce qui est la bonne nouvelle. Par contre, ça consomme plus de... Enfin, ça fait monter la pression, quoi. Donc... Mais la pression, elle devrait tenir un jour de plus jusqu'à ce que la température remonte. Ah, ça va rebaisser de 3 niveaux au jour 26, là. La vache, c'est le drame absolu. Donc faut qu'on garde notre acier. Si on arrive à avoir 900 charbons par jour avec l'équipe d'avant-poste là, ça devrait nous sécuriser un peu le charbon quand même. Et ici il faut aussi qu'on trouve des gens à envoyer ici d'ailleurs. Alors comment on va faire? On va peut-être sortir quelques personnes des infirmeries. Ah, on a déjà plein de monde là. Mais non, mais pourquoi je m'emmerde? Ah non, j'en ai libéré pour... pardon, j'en ai libéré pour l'avant-poste. On va sortir des gens des tours de garde également, tant pis. Parce qu'il nous faut ramasser du charbon. Le pub, il fait le taf ou pas? Ouais, il y a 6 clients, c'est pas mal. 6 clients et il fait chaud, donc c'est cool. Voilà, ici, on envoie tout ce qu'on peut. Alors non, plutôt des ingés d'abord et ensuite des mecs. Il nous en reste que 7, zut, il nous en faut 3 de plus. La cantine est visiblement trop efficace, donc on va prélever une personne ici. Les cabanes de chasse, on peut pas trop se permettre. Le truc de propagande, on va prélever une personne. Et une autre tour de garde, on va prélever une personne. Il nous faut des ouvriers, hein. Voilà, on va faire ça. On a 10 ouvriers, parfait. Donc dès qu'on aura suffisamment d'acier, on pourra créer notre équipe demain, c'est parfait. Ici, bah, il nous reste 16 heures de charbon, ça va, c'est pas ouf. Heureusement, hein, on a toujours l'automate qui fait le taf, hein, qui ramasse son charbon. Faudra d'ailleurs qu'on essaye de voir si on peut pas améliorer ses performances, puisque pour l'instant il a que 60% de performance. Mais lui, il s'en fout, il fait froid, il n'y a pas de fouet de chauffage, rien à battre, il bosse. Ça fait plaisir. Ici ça fonctionne bien. Notre maison du coup doit être confortable. Le foyer de chaleur, grâce à notre technologie là qu'on avait prise, quand on active le surmultiplicateur, ça augmente aussi la température des foyers de chaleur. Ce qui est plutôt cool. Et là, normalement, on devrait encore avoir des londoniens qui se barrent. Ah, on peut prendre une loi. Alors, on avait vu que de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose de ouf pour améliorer l'espoir. Donc du coup, on va aller voir plutôt de ce côté-là. Alors, la dernière fois, on avait fait le centre de propagande. Oula, il y a un truc ici avec des flammes, là. Agitateur, à l'aide de haut-parleurs bien placés, nous rappellerons à nos concitoyens l'importance de leur travail, ce qui augmente leur efficacité. Augmente de 20% l'efficacité des lieux de travail. Ouais, non, c'est pas trop le thème non plus. L'erreur est humaine et nous devons donner aux fautifs une occasion de se racheter. J'adore l'image, on sent bien qu'ils donnent l'occasion de se racheter, quoi. S'ils acceptent de coopérer, bien entendu. Alors, nous percevons les citoyens de signer un serment de loyauté qui fera d'eux des informateurs secrets. Cela fournira un bonus permanent d'espoir et on augmente le mécontentement. Ok, c'est brutal. Sinon, il y a la prison, hein, qui était quand même toujours intéressante. Pour les forcer un peu à... arrêter leurs conneries, mais en même temps ce truc là est, est passif en fait et n'a pas d'effet négatif et demande à rien construire, donc on va prendre ça. L'erreur est humaine, on est des mecs bien nous. Alors c'est une compétence de bâtiment? C'est une compétence de bâtiment ce truc là? Non, pas l'impression. Informateur secret, ouais non c'est bon, c'est pas une compétence de bâtiment. C'est peut-être ça pour ça qu'il gueule.
Le mécontentement, ça va, hein, franchement, on n'est pas en stress. Le surmultiplicateur, on est à 59%, donc ça commence à être tendu, mais d'ici quelques heures, on va le couper. Un autre vol. Capitaine, les Londoniens continuent de voler. Ils ont pris 20 rations de réserve. Les habitants sont furieux que les Londoniens fassent passer leurs idées absurdes avant les besoins de la ville. On envoie les gardes. Allez, go les mecs. Ça suffit les conneries. Non mais oh. Ouais, les gardes ont réussi à rapatrier les rations. D'ailleurs, les rations, c'est pas ouf, hein, ce qu'on produit. Faut qu'on surveille ça d'assez près. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Pris en flagrant délit. Nos gardes ont fait du bon travail, ils ont récupéré les ressources, mais surtout, ils ont attrapé l'un des voleurs. Ils vont pouvoir mettre fin au brigandage. Que devons-nous faire du voleur? Alors, le laisser partir, nous allons lui préparer un envoi pour lui bientôt. On a 3 jours pour construire une prison, donc c'est pas possible, on ne peut pas faire la loi et construire dans le temps, je pense pas. On peut le bannir, ou on peut décider de son sort. On va le bannir, hein, s'il veut retourner à Londres, qu'il retourne à Londres. Enfin, s'il retourne à Londres d'ailleurs, hein, il va juste se barrer. Du coup, il y a un Londonien de moins. Le mécontentement augmente un petit peu. Ouais, il y a du vol. Bah, en même temps, voilà. Hein. On fait ce qu'on peut. On est en pause, je me disais, c'est bizarre, ça ne bouge plus beaucoup. Ici, ça devient le drame. Un décès. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suicide d'un poète. Capitaine, une personne vient de se suicider. Elle écrivait des poèmes parlant de la souffrance, du sentiment de perte, de la mort et du désespoir. Notre centre de propagande a lancé une campagne contre lui pour protéger la population de son influence. Tout le monde va dire que nous avons causé son suicide, sauf si nous changeons les apparences pour faire croire qu'il s'est alcoolisé au point d'en mourir. Le faire brûler et ses poèmes. Non, le faire et brûler ses poèmes, pardon. Ou ne pas s'en approcher. Oui, on va... On pousse pas les gens au suicide, nous on est des mecs gentils. Pas de problème. Toi tu bosses toi? Ouais tu bosses, c'est bon. Alors malheureusement les morts ça diminue un peu l'espoir aussi hein, mais tant pis. Bon là ça commence à être tendu le charbon. Bon après ça va nous permettre de remonter de 2 niveaux pendant quelques jours, ça va être parfait. Environ 12 heures. Allez, c'est parti les mecs au taf, il nous faut 20 d'acier s'il vous plaît. Enfin ils bosseront dans quelques heures mais on a eu pas mal de malades, hein. Pas de malades graves heureusement mais quand même pas mal de malades. Enfin de remarques peut-être qu'ils sont considérés comme des malades normaux maintenant les malades graves vu qu'on a de quoi les soigner. Allez, il va exploser notre générateur, ça suffit. Bon, en même temps, on peut arrêter, il dorme plus là. Hop là. Froid au travail. Alors, du coup. Oui, la température remonte. Sympa les petits effets de température là. Ça fait bien plaisir. Alors, du coup, faut qu'on coupe tous les trucs où ça ne sert plus à rien. Ici, ça sert à rien. Ici, ça sert à rien. Ici, ça sert à rien. Ici, c'est éteint. Ici, ça sert à rien. Ici ce serait quand même pas mal de l'activer, hein. Il fait quand même pas chaud non plus. Lui ici il va s'activer. Ici on va le couper pour la journée lui, histoire d'économiser un petit chouille de charbon. Et on va faire en sorte de ramasser ce qu'il faut. Alors lui je l'ai coupé ici, hein, ouais. Donc ça va redescendre doucement. Ah merde, on a trois malades. Du coup, on n'a plus assez de personnes, fait chier. Avec les deux en soins palliatifs, quoi. Il nous faut donc de nouveau des ouvriers. Des ouvriers. Bah, on va aller les chercher où? L'abri pour enfants, non. Au pub. Allez, on va prendre 2 ouvriers au pub. Hein. Et on va faire une équipe d'avant-poste qu'on va envoyer à la mine de charbon. C'est parti, les mecs. Il nous faut du charbon, s'il vous plaît. Parce que là c'est un peu la dèche, hein, on va pas se le cacher. Ici et là d'ailleurs, il n'y a pas assez de monde. On va prélever quelques personnes pour aller... C'est quoi ce truc à 5? Ah c'est la Syrie. Allez, il faut ramasser du charbon les gens.
Il faut ramasser du charbon. Ouais, prélever des gens dans les trucs de chasse, ça m'emmerde un peu. Dans les scieries, on est déjà bien. Bah tant pis, on va prendre des mecs du centre de propagande, hein, faire avec. Pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir de quoi se chauffer. Basco, ça devient Tandax, hein. Tandax, Tandax. Et eux, il va encore falloir qu'ils arrivent, puis qu'ils se posent, et après qu'ils nous envoient le charbon. Donc c'est pas tout de suite non plus. Et la priorité sera probablement du coup de repartir dans les technologies de chaleur, genre pour augmenter encore d'un le rang du générateur, ça me paraît pas mal comme idée, parce que sinon ça va devenir chaud. Du coup ça nous permettra de détruire ce truc-là qui consommera du coup moins par la même occasion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Un extracteur hydraulique dans le coin là, dans l'optique de ramasser un peu plus de charbon et de faire un foyer ici. Ouais, pourquoi pas. Au niveau du bois, on en est comment là? Eux, il leur reste presque plus de bois. On a encore des endroits où on pourrait mettre des scieries, hein, donc c'est pas non plus dramatique. Ouais. Je ne sais pas trop. Des malades, normalement on devrait avoir plus de place que ça pour les malades. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? 0 sur 5, 0 sur 5, bah oui, qu'est-ce que vous foutez les gens? Allez bosser quoi. Y a de la place dans les trucs de soins quoi. C'est sûr que s'ils y vont pas, bah du coup ils sont pas soignés, hein. De fait. Alors, ouais, j'ai bien envie quand même, effectivement. Alors, on pourrait refaire une tour de garde ici, d'ailleurs, pour aider un petit peu, mais ça commence à être loin de la ville. J'ai bien envie de dire tant pis pour les maisons qui sont là, hein. Ouais, si, quand même, on peut pas trop se permettre. Après, on a juste personne à bosser dedans, quoi. Alors qu'ici, on a des tours de garde dont la moitié de la zone ne fait rien, quoi. Donc, on va plutôt partir par ici dès qu'on aura. Et qu'on aura besoin. Le mécontentement s'est déjà recassé la gueule, hein, donc c'est quand même plutôt cool. Ouais, on a 232 citoyens, on a 20 personnes qui vivent pas à côté d'une tour de garde, donc c'est les maisons qui sont là, hein, tout simplement. C'est suffisant pour que les Londoniens se cassent. Il nous reste 6 jours. Ici, est-ce qu'on pourrait pas refaire une petite propagande bientôt? On pourra refaire une petite propagande. Ce sera à mon avis un bien. Voilà, une petite propagande. Allez les gars. Ouais, toto. Il faut constamment rappeler aux citoyens que nous survivons grâce à l'ordre établi. Mais complètement. L'espoir augmente encore. Donc eux, ils vont arriver doucement. Ah, on a terminé les calculatrices mécaniques. Donc on a gardé de la ressource pour faire des recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puissance du générateur, portée du générateur. La consommation du générateur est triplée. Ou alors, bah triplée aussi. Plus de portée, ça nous permettra d'éloigner nos foyers. On va partir sur la portée en premier. Ah, par contre, la pression, ça descend pas vite, hein. Mais avec une meilleure portée, en fait, on pourra éliminer celui-là. Peut-être celui-là, mais non, pas tout à fait. Ça permettra quand même d'être bien. Et avec eux qui nous rapporteront 900 de charbon d'ici là, je pense qu'on sera pas mal. On va commencer du coup à partir. Alors, ce qui nous manque, hein, clairement, c'est du poste de collecte. Ils ont plus beaucoup de charbon à ramasser, l'un dans l'autre là. Ouais, si, il y a toujours des tonnes de charbon ici. Ceux qui sont en dehors de la portée, eux, ouais, ils ramassent que là. Est-ce que je fais un nouveau poste un nouveau truc hydraulique ici? Sachant que ça, à un moment, il faudra qu'on fasse la recherche pour augmenter sa portée. Ça peut être intéressant. Ça peut être carrément intéressant d'en faire un dans le coin là. Et ici, de rester sur les scieries et l'acier dans ce coin là. Hop là.
Ouais, lui il est plein, donc vraiment le ramassage est pas suffisamment efficace ici. Et ici par contre il le vide très vite également. Donc il faudra un poste de collecte de ce côté-là également, je pense. Ah, l'automate fait bien le taf, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maison froide. Ah oui, bah on va chauffer tous les logements. Allez, tous les logements. On est des ouf. Où est-ce qu'il fait froid? Ici. On va allumer ça. Il devrait plus faire froid. 6, 7 et 8. Parfait. Donc on va pas recouper ce truc là du coup. Et ça devrait faire le taf. Est-ce qu'on n'a pas des chauffages à couper ici peut-être? Non, ici il était déjà coupé, pardon. Ici on le coupe. Ici. Ici. Et ici. Parfait. Ici on va le laisser parce que je risque d'oublier et du coup ça va faire vraiment trop froid. Quel était ce bruit? Là il y a un truc. Informateur volontaire. Certains ouvriers veulent vous voir. Ils ont traîné un ingénieur avec eux. Ils l'accusent de déloyauté. Ils nous lisaient ça. Ils voulaient qu'on soit contre vous. Un des ouvriers vous donne un livre en mauvais état. Bande d'idiots, grand ingénieur. C'est du Dickens. Je voulais vous éduquer. Alors, vous gagnez 3 informateurs. L'ingénieur sera blessé. L'espoir diminuera. Cet homme est innocent. On va pas savoir si c'était vraiment du Dickens. Non, enfin, il est innocent. On va pas faire baisser l'espoir. Ça va quoi. Si en plus les ingés qui essayent d'aider mon peuple se font péter la gueule, à mon avis ça va mal se mettre. Niveau charbon on est bien et du coup on devrait être encore mieux avec eux. Donc on va laisser tomber l'idée du charbon pour l'instant. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va partir plutôt sur du foyer à vapeur. On va faire un petit foyer à vapeur ici. Ce qui permettra de chauffer ces trucs là sans chauffage. Cette scierie là, il lui reste encore pas mal de bois, donc on va continuer de la chauffer. Cette scierie là, il lui reste que 2... Non, ça c'est un poste de collecte, pardon. Il lui reste 42 de bois, donc bientôt elle va dégager. Ça fera de la place pour un autre poste de collecte au chaud. Et quand on aura d'autres personnes à loger, on les remettra là. Alors on a deux personnes d'ailleurs qui sont revenues, qui ne font rien. On va les envoyer là, histoire de terminer ce bois plus rapidement. Au niveau bouffe, ouais, il va falloir qu'on y aille. Ah! Nos mecs sont arrivés. Construire l'avant-poste. Oui. C'est parti les mecs, au taf. 800 de charbon par jour, je prends. Avec grand plaisir. Donc là, ils bossent pas. Puisque c'est pas l'heure. Donc j'améliore pas les chauffages, hein, tout simplement parce que les foyers sont quand même plus intéressants dans le sens où on peut leur dire de ne s'allumer que la journée. Ce qui est quand même vachement bien. Alors, petit lag. On a jamais pris la loi pour l'enterrement, mais ça va, on a eu que 3 morts, donc c'est plutôt cool. Enfin, pour faire des trucs funéraires là. Donc le charbon se casse la gueule pendant la journée, pendant la nuit pardon, mais c'est normal. Ça devrait se régler du coup avec nos chères personnes qui construisent leur avant-poste. Par contre la nourriture, il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Un autre vol. Bordel, mais ils me font chier. Ouais, par contre si on l'attrape, on va essayer de faire la prison cette fois parce que ça va bien 2 minutes quoi. Les gardes ont échoué. Et merde. Ouais, on devient tendu niveau nourriture. Il nous faut plus de gens dans la cantine là pour le coup. Un décès, ah non. Il est mort de quoi cette fois, je ne sais pas. Bon bah ici du coup vous êtes trop nombreux, donc on va vous libérer un peu. Et on va remettre des gens dans la cantine. Parce que visiblement ils n'arrivent pas à convertir les viandes crues. Tué à son poste, un de nos gardes a été tabassé à mort alors qu'il pourchassait les Londoniens. Nous avons attrapé un des voleurs mais il n'est pas le meurtrier. Que devons-nous nous faire de lui? C'est pas un meurtrier, on va le laisser. On va le laisser. Donc le mécontentement monte un peu mais c'est pas grave. Par contre effectivement la loi sur les prisons va devenir absolument nécessaire parce que ça part totalement en live là. Ils font n'importe quoi les mecs.
Capitaine, cette somme s'est sacrifiée pour nous tous, faites quelque chose. Bah ouais, je sais bien, on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Les Londoniens continuent de perdre des partisans, en même temps ils butent des gens, donc forcément à un moment ils vont se faire un peu haïr quoi. C'est plutôt la bonne nouvelle. On est repassé en vitesse 1, alors je vais être en vitesse 2. Nous surmonterons le froid et la faim, ensemble nous vaincrons, mais oui! Complètement. Ça y est, nos chasseurs reviennent avec des vivres. On va pouvoir travailler toute la journée à en faire des rations. C'est parti. Sachant que 3 niveaux de température en moins là, ça va être quand même super tendu. Ça va être super tendu quoi. Allez, c'est parti, au taf les gens. Donc le charbon se casse toujours la gueule, même s'il bosse on dirait. C'est un peu dommage. On peut pas se permettre de couper le foyer ici, sinon on va perdre la mission. Si je pense que si on arrive cette mission là, on va peut-être réussir à avoir 3 barres de descente ici, ce serait vachement cool. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Stockage presque plein. Ah oui la vache, il y a les 800 de charbon qui viennent de se ramener, donc du coup effectivement on est bien plein. On va peut-être faire un petit dépôt. Oh, ça coûte super cher quoi, un dépôt, sérieux. Pff, ça fait chier. Pour rajouter 900 de charbon. Un stockage de 900 de charbon. Franchement. C'est vraiment pas un truc qui me semble ultra prioritaire quoi. Hein. On va quand même en faire un. Puisqu'on a de la place. Enfin, on a des ressources, donc on va en faire un. Mais c'est vraiment histoire de stocker pour les jours de disette quoi. Le jour de disette qui risque d'arriver, hein, je veux pas dire. Voilà, portée du générateur 2, donc du coup voilà, effectivement, ça va consommer beaucoup beaucoup plus. Donc du coup, on arrive à chauffer jusque là. Ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme recherche? Puissance du générateur, pour consommer encore plus de charbon. Qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre avec ce niveau? On pourrait améliorer les automates si on faisait l'usine. Isoler les postes de collecte, je pense qu'on va le faire parce qu'effectivement quand le froid va tomber, à un moment ça va devenir tendu. Après on aurait quoi? Collecte plus efficace, c'est pas mal. Mine de charbon à vapeur, on s'en fout. Le truc des fours à bois, on s'en fout. Station de forage à vapeur, on s'en fout. Pour l'instant, il n'y a rien de ouf à ce niveau-là. En termes de faim, mécanisation de l'infirmerie. Les infirmeries nécessitent moins 5 personnes dans les infirmeries. Ah ouais, carrément. Ou alors des maisons. Maisons confortables pour inviter 10 personnes et les protéger du mauvais temps. On va faire ça parce que ça nous permettra de libérer des ingénieurs. Et donc de faire des nouvelles... comment ? Des nouveaux ateliers. Alors oui, c'est marqué ouvrier, mais dans les infirmeries, c'est des ingénieurs. Donc, du coup, ça nous libérera les ingénieurs. Tout simplement. Et on va faire un poste de collecte, effectivement, pour stocker, stocker ça. On peut pas se permettre de pas ramasser du charbon, c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Donc des gens vont aller me construire ça, s'il vous plaît. Bon, bougez-vous. Alors est-ce qu'avec la portée du générateur on peut pas, voilà, on peut peut-être désactiver quelques radiateurs qui tournaient pour rien, il n'y en a pas plus que ça. Ici on n'a pas de radiateur qui tourne, on est d'accord, hein. Non. Ici d'ailleurs on n'en a pas qui tourne, on va peut-être le mettre pour la journée au moins. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit d'événement. Ah, c'est le charbon qui est plein, oui bah on y travaille, c'est bon. Alors, nos éclaireurs ont atteint l'épave de Dreadnought. Un navire imposant a été démantelé, il ne reste que sa large quille sous la glace. Une voie ferrée mène vers le sud. Une voie ferrée, carrément. De la lumière au sud, nous avons trouvé un morceau de coque boulonné à un rocher. On peut y lire « En de grâce 1888, une expédition américaine à bord du USS Hephaestus a été lancée pour rechercher un refuge à la glaciation globale. Que Dieu préserve l'âme de nos compatriotes qui étaient à bord du USS Prometheus, morts durant le voyage. » On a découvert Tesla City. Et on récupère plein de ressources. On va pousser jusqu'à Tesla City, je pense. C'est pas très loin. Une grande colonie. On peut discerner plusieurs bâtiments à l'intérieur du dôme électrique qui englobe la ville. Putain, les mecs, ils ont un dôme électrique, quoi. C'est la classe.
Par contre, du coup, on va arrêter l'épisode ici parce qu'avec le raccord, je pense qu'il va être bien assez long. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Hein. On n'est pas hyper dans le bien, mais on n'est pas non plus hyper dans le mal. Au niveau bouffe, on est bien. Au niveau charbon, du coup, on est très bien. Est-ce qu'il faut que je relance peut-être l'expédition là? Comment ça se passe? Non, c'est bon, ça fonctionne. Parce que je voyais plus ici de petites comptes à rebours, donc j'ai eu peur que ce soit. Enfin, je fasse que j'en fasse une, mais non. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous!